des livres du Saint-Coran pour cette population. Et puis, dans le reste de l'actualité, les jeunes finalistes du concours des détections des jeunes talents de la chanson djouboutienne ont procédé ce matin à des visites dans les centres hospitaliers de Dar el-Hanan et Peltier. Il s'agit en effet d'une initiative de ces jeunes artistes qui ont souhaité un changement dans leur programme afin de se rendre auprès des nouveau-nés et enfants malades dans les hôpitaux. Notamment à Dar el-Hanan et Peltier. Arrivés à Dar el-Hanan, ces jeunes artistes ont été chaleureusement accueillis par les responsables de cet hôpital et notamment Madame Zahra Moussa, directrice de Dar el-Hanan. Ainsi, ces jeunes dont Samia, Asia Aisha Abdullahi ou encore Moussa sont tous partis à la rencontre des enfants malades et des nouveau-nés à compter parmi ces jeunes artistes harbouillés qui étaient également parmi les visiteurs dans ces hôpitaux.